Tous et à toutes, et bienvenue ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour ce deuxième volet de nos journées consacrées à l'innovation dans le domaine de la santé. Tout au long de la journée, nous allons vous faire découvrir celles et ceux qui, par leurs travaux et leurs inventions, contribuent à l'amélioration de notre santé à tous. Pour entamer notre plongée dans l'univers du progrès médical, nous avons rendez-vous avec le professeur Jacques Maresco. Euh, qui a créé il y a 25 ans maintenant l'institut de recherche contre le cancer de l'appareil digestif. Il est avec nous en duplex depuis, depuis Strasbourg, pardon. Je lui cède la parole. Bonjour à tous. Donc c'était pas, pas il y a 25 ans, c'était il y a 27 ans. Hein. On a créé l'IRCAD et je veux un petit peu vous montrer, vous montrer euh, qu'est-ce que c'est l'IRCAD, pourquoi on a créé l'IRCAD et, et en quoi c'est en train de, de définir en fait la, la, la chirurgie de demain. Alors, euh, j'arrive pas à passer Média, s'il vous plaît. Euh, deux secondes. Euh, juste en introduction, euh, en introduction, vous dire que euh, l'idée de l'IRCAD en 1994, elle est née en fait, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, euh, c'est qu'en 1994, j'ai assisté à une conférence exceptionnelle. Euh, cette conférence exceptionnelle était Rick Satava, un colonel de l'armée américaine, et ce colonel de, de, de l'armée américaine, euh, en 1991, vous imaginez, nous a expliqué la révolution chirurgicale de demain. Il a expliqué la puissance d'Internet, qui n'existait pas, c'était 92 en France. Il a expliqué la puissance de l'imagerie virtuelle, la puissance de la robotique, et tous ces concepts n'existaient pas. Et j'ai compris 20% de cette conférence. Mais j'ai surtout compris que c'était le futur de la chirurgie. Et quand je suis revenu, bah, j'ai voulu euh, bien sûr créer, puisque je travaillais aussi à l'INSERM, une unité INSERM spécifique sur les nouvelles technologies de ce qu'on appelle la computer science et la chirurgie. Et malheureusement, à l'époque, à l'INSERM, tout ce qui était computer science n'était pas sérieux. Ce qui était sérieux en recherche, c'était la biologie moléculaire. Et devant, devant cette impossibilité de le créer dans une, dans une agence nationale, on a décidé de faire une fondation privée à but non lucratif euh, qui devait euh, expliquer tout, euh, tous les concepts de la chirurgie de demain. Et la chirurgie de demain, c'est ce qu'on appelle la chirurgie augmentée. Et quand vous demandez à un chirurgien comment il espère améliorer son geste, eh bien la première réponse est Je veux voir plus que ce que mes yeux me permettent de voir tous les jours, et notamment, je veux voir en transparence. Et voir en transparence, eh c'est la notion de réalité virtuelle et de réalité augmentée. La deuxième réponse, je veux que ma main soit plus habile pour être plus précis, plus performant. Et ça, c'est la définition de la robotique chirurgicale. Et enfin, le, le chirurgien dont on connaît l'humilité, qui fait sa définition, eh bien, il a envie d'augmenter son cerveau pour une stratégie, la meilleure stratégie chirurgicale avant l'opération, pendant et après l'opération. Alors, pourquoi vous voilà, comment on a fait ça On a créé une équipe, vous verrez tout à l'heure, les directeurs de recherche vont vous parler. L'équipe, c'est Surgical Data Science, qui est une équipe de 30, entre 30 40, ça dépend des moments, ça dépend des PhD, qui travaille sur Computer Science, Intelligence Artificielle et Chirurgie. Et cette équipe, elle n'est pas seulement à Strasbourg, mais on a une grosse collaboration après la visite du ministre des Sciences de Taïwan avec l'équipe de Taïwan. Mais surtout, on a non pas une collaboration, mais une extension de l'équipe à Kigali, au Rouen. On ça peut paraître bizarre qu'on ait une partie de l'équipe et on aura, j'espère, entre 30 et 40 chercheurs dans ce domaine de l'informatique en 2023. Pourquoi à Kigali ben D'abord parce qu'on fait un IRCAD au Rwanda qui est l'IRCAD Africa. Et ensuite parce qu'ils ont deux institutions exceptionnelles. L'une, c'est la filiale de Carnegie and Mellon University euh, qui est de Pittsburgh et où ils ont les mêmes professeurs. Et bien sûr, euh, le, le niveau est un niveau impressionnant. Et puis ils ont aussi une deuxième institution qui s'appelle Ames ou Africa Institute of uh, uh, Mathematical and Science, uh, qui est tellement importante. Alors, euh, voilà juste vous montrer un exemple. C'est quoi, quoi la réalité virtuelle pour l'augmentation de la vision ben, Vous voyez à droite une image de scanner, difficile à comprendre si, si ce n'est qu'il y a une grosse boule chez ce bébé de deux mois. Et la réalité virtuelle, ben, elle va permettre une navigation à l'intérieur de cette énorme tumeur chez ce bébé pour aller voir quelles sont en fait. Et en l'occurrence, il y a deux artères. Quelles sont les deux artères qui vont alimenter cette monstrueuse tumeur qui en fait est bénigne Et vous voyez. Là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le chirurgien pédiatre n'a eu qu'à qu faire la ligature de ces deux artères et ensuite l'intervention était terminée. Euh, il y a plein d'autres exemples. On peut voir ici, c'est un scanner du cou avant une chirurgie, euh, euh, soit de thyroïde, soit de parathyroïde. Vous voyez que c'est difficile à comprendre. Je pense que le, 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 ce qu'on appelle le grand public ne comprend pas. Et par contre, quand on reconstruit en trois dimensions, vous voyez, c'est tellement réaliste que le malade se voit réellement. C'est le clone digital du malade. Et quand sur l'iPad, pendant la consultation, on lui montre ces données, eh bien le malade, en deux secondes, comprend quelle est sa maladie, quel est le geste chirurgical qu'on va faire. Et vous savez, il n'y a rien de plus rassurant pour un malade que de comprendre les détails de l'opération qu'on a planifiée qu planifié chez lui. L'autre étape, une fois qu'on a reconstruit en, en trois dimensions, et c'est aussi un des vraiment des travaux de, de l'IRCAD depuis le début, c'est comment on va simuler l'opération. Donc, vous voyez les petites boules vertes qu'il y a, c'est des, des tumeurs au niveau du foie. Avec l'ordinateur, on arrive à voir la partie de foie qu'on enlève. Il reste une, une autre boule verte. Celle-là, il faut la détruire par la chaleur, ce qu'on appelle la radiofréquence. Eh bien, Vous voyez qu'on peut prendre cette aiguille virtuelle, voir le meilleur trajet pour qu'elle soit au centre de la, au centre de la tumeur. Ça, c'est l'augmentation de la vision. C'est quelque chose de majeur. Et le, la grande partie des travaux qui sont faits à l'IRCAD, c'est pour améliorer justement cette image et comment on va intégrer cette image dans le geste chirurgical et notamment dans le geste robotique. Alors, la robotique, eh c'est vraiment un deuxième, euh, deuxième spécialité euh, de, de l'IRCAD. Il faut se souvenir qu'on adore les challenges à l'IRCAD. L'armée américaine avait toujours dit qu'il était impossible d'opérer à distance et que ça serait supérieur à 500 miles dans, dans 20 ans. Ça, c'est ce qu'il disait dans les années 2000. Ben, en 2001, avec l'aide de deux jeunes ingénieurs de France Télécom, on a pu faire cette opération qui est restée dans les annales, qui s'appelle l'opération Lindberg, où j'étais personnellement à New York et on a opéré une malade à, à Strasbourg. C'est la première fois qu'on arrivait à montrer que les ingénieurs avaient réussi à résoudre tous ces problèmes de chirurgie à, à longue distance. Euh, ça, c'est juste un petit clin d'œil de la vidéo pour montrer que ça n'était pas une prou prouesse chirurgicale puisque c'était simplement euh, une opération l'ablation d'une vésicule biliaire mais c'était une prouesse des technologies de l'information et euh, donc ça c'est la partie où on voit euh, fixer le robot euh, dans le bloc opératoire de, de, de Strasbourg mais euh, l'équipe de Strasbourg a juste mis en place le robot et ensuite ils étaient assis avec une pédale au cas où il y a quelque chose qui surviendrait qui n'était pas prévu et euh, moi-même avec euh, un collègue nous étions nous étions à New York et vous voyez qu'entre les deux, entre Strasbourg et New York, il y avait 80 ingénieurs de France Télécom qui ont été impliqués dans, dans, dans ce magnifique challenge euh, chirurgical qui a d'ailleurs été publié en haute priorité dans Nature. Et ceux qui ne savent pas ce qu'est Nature, c'est la numéro 1, la plus grande revue scientifique qui existe dans le monde. La deuxième chose importante, c'est comment on va mettre ce clone digital du malade en l'intégrant dans le robot, comme un GPS. Et là, vous voyez le chirurgien qui est en train d'opérer, immergé dans ce qu'on appelle la partie maître du robot. Et à sa droite, eh bien, vous voyez qu'il a son GPS, qui est le clone digital du malade. Il n'a même pas besoin de sortir de son immersion, puisque la caméra va lui montrer à la fois la, ce qui va opérer et puis en dessous, les différents repères, qui sont des repères, bien sûr, en euh, trois dimensions. Euh, la... ça, donc, on a vu la vision, on a vu la main augmenter, maintenant le cerveau augmenter très rapidement et tout à l'heure, vous aurez euh, d'ailleurs l'un des directeurs de recherche, Flavien, qui va vous l'expliquer. C'est comment on peut, par exemple, grâce à l'intelligence artificielle, faire une tour de contrôle dans le bloc opératoire et donc je ne vais pas insister puisque ça vous sera montré. Je vais juste terminer par deux choses, que, euh, et notamment une, c'est que quand on, quand on est acteur de révolution, de mutation en chirurgie, comme un avionneur qui construit un nouvel avion, il forme les pilotes. Eh bien, nous, notre devoir et notre rôle, c'est également de former les chirurgiens à ces nouvelles technologies. Et on a créé une unité dans l'IRCAD euh, qui est justement la formation des chirurgiens. Donc vous voyez, c'est un bloc expérimental qui est magnifique avec les dernières technologies. Tout le monde est immergé comme si c'était un bloc opératoire chez le patient. Et on travaille sur simulateur, euh, sur euh, sur cadavre, etc. Et c'est le seul moyen de pouvoir former des chirurgiens puisque la chirurgie euh, c'est bien sûr un compagnonnage. Euh, on, on a également à Strasbourg du coup le plus gros centre de formation en robotique chirurgicale. On a là, vous le voyez, puisqu'il y avait un seul fabricant de robots aux États-Unis qui était Intuitive Surgical, on a 13, 13 appareils d'Intuitive Surgical et puis on verra tout à l'heure qu'on l'augmente. Un mot aussi, les nouvelles technologies, Internet, le chirurgien, bien sûr il vient à l'IRCAD, bien sûr il se forme en... Answer, mais on ne doit pas supprimer ce cordon ombilical entre le, la maison mère qui est l'IRCAD et le chirurgien. Et on a fait une université virtuelle sur Internet gratuite, traduite en sept langues, qui permet aux chirurgiens de se, sans arrêt, en permanence, se mettre au niveau. Et il y a plus de 430 000 membres actifs de par le monde. C'est une communauté exceptionnelle. Voilà, je terminais par la globalisation du concept parce qu'on est en fait fiers quand même d'avoir été un peu les ambassadeurs de la France alors qu'on sait que notamment dans le domaine de la recherche des nouvelles technologies ou de la formation, ben c'est souvent anglo-saxon. Eh bien non, on a, on, a eu, on a eu la chance. Si on peut montrer la slide, s'il vous plaît. On a eu la chance, vous voyez, de, de, de construire l'IRCAD France en 1994. Puis on a été contacté pour l'affaire à Taïwan en 2007. Puis deux au Brésil, une à Sao Paulo, une à Rio de Janeiro, une au Liban à Beyrouth, une qui va se terminer en Afrique au Rwanda, une qui va commencer dans trois semaines en Chine. Et puis deux projets non signés encore avec un IRCAD en Inde et un IRCAD aux États-Unis. Voilà, alors juste un clin d'œil pour vous montrer que ça existe vraiment. Ça, c'est l'IRCA de Taïwan, à côté d'un énorme hôpital. Donc, celui qui a construit l'IRCA de Taïwan est le propriétaire de neuf hôpitaux. Et c'est le même concept. On apprend, on est transmis dans les blocs opératoires. On a un bloc opératoire euh, expérimental. Et puis, euh, euh, Barretos, euh, Barretos, dans l'état de Sao Paulo, magnifique centre qui forme tous les chirurgiens d'Amérique latine, euh, à, à Rio de Janeiro, en accord avec United Health qui est une grosse assurance privée américaine qui a plusieurs hôpitaux, l'hôpital français du Levant à Beyrouth et puis certains voilà, certains disent que ça sera le plus bel Ircad, c'est celui qui est en Afrique au Rwanda à Kigali sur un terrain de 12 hectares un Totalement construit par le président de, euh, donc par le gouvernement et sous l'instar du président euh, Paul Kagame, ça va être une merveille, à la fois pour la formation, pour toute l'Afrique, mais également pour euh, la recherche dans les nouvelles technologies avec cette équipe mixte euh, que nous avons entre Strasbourg et Kigali. Euh, L'IRCAD China, en collaboration avec un énorme groupe sud-coréen qui s'appelle SK, euh, là encore, un projet très ambitieux puisque l'IRCAD China euh, commence dans trois semaines et sera suivi à partir de dans six mois de la construction de trois gros euh, hôpitaux de chirurgie mini-invasive qui vont entourer, en fait, entourer l'IRCAD. Enfin, voilà un projet non signé qui est l'IRCAD aux États-Unis, où on a des discussions depuis un an avec un énorme groupe américain qui est le numéro 2 numéro américain dans les soins. Je vous remercie. Je crois que j'ai dépassé de trois minutes mon temps qui m'était à partie. Je suis désolé, mais c'est toujours avec passion que j'aime partager ce que toute l'équipe de l'IRCAD fait. Et on est vraiment très fiers de ce qui se fait à la fois ici, à la fois dans les autres IRCAD. Si vous avez une ou deux questions, c'est avec plaisir que je veux Répondre. Bonjour professeur, rebonjour professeur. Euh, J'aimerais insister sur un point que vous avez abordé tout à l'heure, sur la formation euh, des, des chirurgiens qui viennent chez vous. Je crois qu'annuellement, c'est plus de 6000 chirurgiens, c'est ça, qui viennent se former chaque année à l'université. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. On a actuellement, depuis les dix dernières années, plus de 6200 chirurgiens qui viennent de 120 pays différents. Donc vous imaginez, on n'est pas à Paris. Hein. Strasbourg, c'est quand même une ville de 400 000, 350, 400 000 habitants. Mais on est extrêmement fiers de voir que, que les gens se déplacent, même si de temps en temps, il y a, ce n'est pas si simple d'atteindre Strasbourg quand on vient de l'étranger. En général, ils passent par l'Allemagne, par Francfort. Mais c'est pour ça que c'est devenu vraiment l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros centre de formation actuellement, en chirurgie mini-invasive, toutes spécialités confondues, puisqu'on fait bien sûr du digestif, qui était ma, ma formation initiale, mais de l'orthopédie, du cardiovasculaire, de l'urologie, de la gynécologie, etc. D'accord, très bien. Alors, vous avez développé ce propos assez abondamment. L'IRCAD est en pointe sur la recherche, notamment dans le domaine de la robotique. Et je crois que vous avez sur le plateau, en votre compagnie, le professeur Vix, qui devrait pouvoir euh, nous en dire davantage sur un robot qui s'appelle Da Vinci, si je ne m'abuse. Voilà, je, effectivement, je passe la parole à, à Michel Vick, c'est quand même un expert chez nous en robotique chirurgicale. Un petit mot, dire, euh, vous savez, l'évolution de la robotique chirurgicale. En 1998, on a publié les 100 premiers malades opérés par robot. 1998, et tout le monde, tout le milieu chirurgical disait que c'était de la folie, que ça n'aurait aucun avenir, que c'était du gadget. Et on s'aperçoit maintenant, puisqu'il n'y a plus un seul, une seule compagnie, mais il y a 12, 13 compagnies, et on a quasiment tous les deux mois, il y en a une autre qui s'ouvre en Inde, en Chine, aux États-Unis, en Europe. Donc on sait que dans les 10 ans, la majorité, si ce n'est la totalité de inter des interventions chirurgicales seront réalisées par robot. Donc je laisse Michel Vix qui a beaucoup l'expérience, notamment en chirurgie de l'obésité, qu'on appelle la chirurgie bariatrique, de vous montrer un petit peu comment fonctionne ce système robotique. Un très grand merci à tous. Merci Jacques. Donc on va passer à quelque chose d'un petit peu plus, plus pratique euh, en chirurgie robotique et euh, je voulais remercier Alex de, de m'avoir permis de, de venir euh, vous présenter dans votre euh, dans votre réunion, euh, la surrénalectomie faite par, euh, par robot. Alors quand on parle de robot, bien entendu, on a en tête euh, ces robots euh, cinématographiques. Euh, personnellement, j'aurais bien aimé euh, avoir un robot chirurgical, euh, un chirurgien qui vienne euh, réaliser le geste à ma place dans ce, dans ce genre-là. Et euh, aujourd'hui, eh on se souvient du robot qu'avait utilisé Jacques Maresco pour euh, faire euh, la première cholecystectomie par voie transatlantique, vous voyez qui était une entité un petit peu plus légère que ce, que, ce dont on dispose actuellement. Euh, deux parties pour ce, pour ce robot. Une première partie qui est ici, la flèche passe pas très très bien. Une première partie qui est ici qui est la console du, du chirurgien. Et euh, ici vous avez euh, les bras. Du, du robot. À cette époque-là, nous avions trois bras, un bras pour l'optique, un bras, deux bras pour travailler avec des instruments qui étaient relativement minimalistes euh, et qui ont largement évolué euh, depuis. Euh, ceci pour rappeler l'opération Lindbergh dont on vous a déjà largement parlé. Et voici le robot que nous avons actuellement, qui est composé cette fois de trois parties. Trois parties. Une première console qui est euh, la console où est assis le, le chirurgien euh, que vous voyez ici sur la droite. Euh, à la partie centrale, vous avez le cœur du système qui comprend l'électronique, l'informatique pour piloter les bras et pour faire la jonction entre le télémanipulateur et les bras. Euh, du, entre la console et les, et les bras du, du robot. Euh, vous avez une première image également qui apparaît à cet endroit-là. Et la partie la plus impressionnante que vous verrez tout à l'heure en action, ce sont les bras qui vont s'occuper euh, de traduire le geste que le chirurgien fait sur la console à l'intérieur du, du malade. Aujourd'hui, ceci est le, le robot Da Vinci euh, qui est monobloc pour la console du patient, c'est-à-dire que vous avez euh, un seul appareil qui avance avec quatre bras. L'intérêt de ce montage aujourd'hui est que vous avez la partie, les bras sont suspendus euh, au-dessus du patient et peuvent tourner quasiment à 360 degrés. Donc on n'a plus besoin de faire attention à l'endroit où on place le pied de euh, ce mobile. Euh, simplement on le place là où il gêne le moins l'équipe chirurgicale et anesthésique pour pouvoir réaliser le geste. Alors une petite introduction pour... Vous parlez de l'organe que euh, nous allons opérer dans, dans quelques instants. Euh, C'est une surrénale. La surrénale, euh, donc une surrénale gauche, et la surrénale. Vous voyez euh, ici que la, la surrénale est cachée. C'est la petite partie verte que vous avez euh, au fond. Et cette petite partie verte que vous avez au fond est cachée euh, derrière le pancréas, à côté de la rate. Avec une des vaisseaux pour le rein qui sont relativement proches et qu aura, que nous aurons besoin, que nous aurons besoin d'aborder euh, tout à l'heure. La position dans la pièce, le patient va être couché sur le côté comme il sera complètement drapé. Vous ne verrez pas le, le patient et on va utiliser un certain nombre de trocars pour pouvoir aborder euh, cette euh, cavité abdominale. Des trocars, ce sont des instruments en plastique ou métalliques qui traversent la paroi et qui permettent aux instruments de rentrer à l'intérieur de l'abdomen. La, Dans l'abdomen, on a euh, engonflé cet abdomen par du CO2 euh, de manière à avoir un espace opératoire et donc nous allons pouvoir euh, aborder euh, la partie euh, chirurgicale. Partie chirurgicale, euh, ici nous avons, si la vidéo veut bien démarrer normalement, alors attendez s'il s'est passé quelque chose, désolé. Voilà, donc on voit l'entrée des trocards. On est obligé de mettre les trocards dans des positions très spécifiques pour réussir à aborder certains organes, en particulier la surrénale. Et vous voyez qu'ici nous avons quelques adhérences de graisse et du côlon qui sont dans notre champ de vision lorsque nous mettons en place les premiers trocards. Donc, nous les mettons en place sous contrôle de la vue de façon extrêmement euh, précise et euh, précautionneuse. Et vous voyez à quel... Euh, quelles sont les contraintes que nous avons au départ, les instruments sont très très près euh, du trocard de, de vision de manière à ce que l'on puisse aborder complètement cette cavité abdominale ensuite on va aborder, on va ramener les bras du robot que vous voyez que je vous ai présenté tout à l'heure ils sont stérilisés bien entendu pour qu'on euh, n'ait pas de problème d'infection, on a une croix qui est un laser qui nous permet de bien positionner l'ensemble euh, de, euh, de ce télémanipulateur puis nous allons utiliser l'optique pour que nous branchons sur le robot et cette optique va permettre d'orienter automatiquement la, la tête du robot. Vous voyez, en appuyant sur quelques boutons en lui montrant euh, le target, euh, tout cela va bouger. Euh, on va également maintenant, une fois que le robot est en place, on va mettre les autres bras sur les différents trocards et le chirurgien va partir sur la console pour s'écarter de son patient et réaliser tout le travail à partir de la console de manipulation. Cette console de manipulation permet une visualisation en trois dimensions. Ici, vous voyez encore quelques ajustements manuels de la position des, des trocars, puis voilà l'entrée le, euh, dans l'abdomen. Le, euh, le point vert que vous voyez servait à faire le targeting, donc à repositionner la tête du robot les différents instruments sont rentrés de façon précautionneuse sous contrôle de la vue de manière à ne pas euh, créer euh, de problèmes sur les différents organes qui pourraient être dans le chemin de ces instruments. puis on va commencer à euh, réaliser l'intervention chirurgicale. ici on va utiliser deux instruments pour opérer plus la caméra pour euh, la visualisation et on va suivre un certain nombre de plans. l'image est extrêmement précise. on est très près des, des instruments. Les instruments sont articulés, donc on va avoir notre poignée à l'intérieur de, 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 de la cavité abdominale. Et euh, ici, dans cette, euh, pour cette intervention, il s'agira euh, d'aller trouver cette surrénale au fond euh, de ce tapis euh, graisseux. Alors, on a des repères, bien entendu. La première des choses à faire, c'est de faire basculer la rate et le pancréas qui sont en avant, qui cachent cette surrénale. Le patient est sur le côté, je vous le rappelle, et donc en, en enlevant ces différentes attaches postérieures, euh, la rate et euh, le pancréas vont tomber en avant de manière à ouvrir comme les pages d'un livre l'endroit où va se situer la surrénale. C'est quelque chose qui est extrêmement précis, on essaie absolument euh, d'éviter tout saignement, ce qui est relativement facile avec le, le robot. Euh, on a des instruments qui sont un petit peu plus évolués que ceux que vous voyez ici. Les ciseaux permettent une très bonne euh, précision. Euh, la pince que vous avez sur la partie droite est une pince qui peut coaguler également. On dispose d'instruments qui sont capables de coaguler, de couper en même temps euh, de façon un petit peu plus grossière les, les tissus dans certaines circonstances. Et au fur et à mesure, vous voyez, cette dissection permet de faire exactement ce que l'on fait en chirurgie ouverte, mais. Le chirurgien est parfaitement bien installé avec les deux bras qui reposent sur un appui-bras, avec les deux mains qui s'occupent des manettes de, de commande. Et grâce aux articulations internes, on est extrêmement agile avec ce, ce, ce robot. Ici, on, va, on voit la partie bleue, c'est la veine rénale et on sait que euh, cette veine rénale va euh, recevoir la veine de la surrénale, l'organe que l'on est en train d'opérer. Ici, on a changé d'instrument, on est parti sur un crochet qui permet de passer en dessous du tissu euh, pour euh, réussir à le soulever et à créer l'espace de dissection nécessaire. On est très près de cette veine rénale, vous voyez qu'elle était assez grosse, elle fait un, grand, un centimètre de, 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 de diamètre. Ici, un petit saignement euh, qui est, est jugulé par euh, la bipolaire. Et on va voir la veine centrale de la surrénale, la veine principale de la surrénale que l'on dégage ici, on passe derrière avec le crochet. Et on va mettre des clips, qui sont des clips un petit peu particuliers, qui vont euh, se fermer et se verrouiller. Et ces clips, vous voyez, de la manière de, la, de les mettre est extrêmement facile euh, puisque vous avez toutes les positions qui sont possibles euh, grâce aux articulations euh, internes. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir euh, sectionner euh, cette veine. On revient vers les, vers les ciseaux et on va pouvoir euh, terminer la, la dissection. C'est une dissection qui est relativement large de manière à enlever toute la graisse qui est autour de la surrénale. Pour des raisons oncologiques, même euh, si l'organe semble bénin, on peut toujours avoir, euh, en particulier pour la surrénale, des surprises. Donc on enlève toute l'atmosphère et on n'enlève pas uniquement la, la surrénale, toute la graisse qui est autour, de manière à avoir des marges de sécurité, si nécessaire, qui soient suffisantes. C'est un travail qui est relativement lent et, et précis. Mais c'est parce qu'on est lent et précis que l'on va aller vite car on n'a pas de saignement intempestif. On sait parfaitement dans quel plan euh, on va opérer et on va pouvoir euh, rester exactement là où on souhaite rester sans s'égarer dans, dans un tissu graisseux qui euh, peut paraître envahissant euh, ici. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais vous, vous montrer pour vous montrer le, le robot en, en action si vous avez des, des questions. Professeur euh, Effectivement, j'ai une question. On se rend bien compte que c'est un, un robot d'une extrême sophistication. Euh, quel est le temps de formation pour un chirurgien sur ce type de robot Alors, la, le, le temps de formation est relativement court. Euh, il faut bien entendu qu'on apprenne à se servir du robot à l'extérieur, si vous voulez, dans des conditions de, de non-chirurgical, simplement savoir à quoi correspondent les boutons, euh, sur, ce, sur quoi il faut appuyer, comment les bras vont bouger, etc. Donc ça, c'est une formation qui va prendre 3-4 jours euh, pour envisager toutes les possibilités du, du robot. Pas uniquement le chirurgien, toute l'équipe qui est autour également, parce que le chirurgien doit se faire aider de son équipe, soit de ses assistants, soit du personnel de salle, qui doit être capable de gérer un certain nombre euh, d'aspects de, de la robotique également. Après, lorsqu'on a utilisé le, le, la partie robotique, si vous voulez, qu'on rentre dans le, dans le patient, là, il faut une vingtaine de cas pour être parfaitement à l'aise avec le, avec le robot, euh, pour qu'on puisse en profiter euh, complètement. C'est assez rapide, parce que c'est de la même chirurgie que celle que l'on pratique euh, par ailleurs. Bien, Navré, j'aimerais vous poser énormément de questions. Malheureusement, le temps commence à manquer. Et je crois qu'à vos côtés, il y a le docteur Brideau qui va nous parler d'un projet qui s'appelle le projet Condor. Voilà. voilà. Et je crois qu'avec lui, il sera question de la salle d'opération de demain. Je vous transmets la parole. Bonjour. Effectivement, vous parlez du bloc opératoire du futur. Euh, sur lequel nous avons travaillé dans le cadre du projet euh, Condor. C'est un projet qui a duré euh, 4 ans, qui s'est achevé en, en septembre dernier. Euh, C'est un projet qui a été financé par euh, BPI France et le programme euh, Investissement d'Avenir, qui a été réalisé par un consortium euh, assez large composé de l'IRT Bicom, de Rennes, euh, Harmonique, qui est euh, le leader euh, dans le monde du broadcast et qui équipe euh, une bonne partie des, télé, de, des studios de télévision dans le monde l'INSERM, qu'on ne présente plus, euh, l'Université de Rennes et son laboratoire, le LTSI, le CNRS, l'Université de Strasbourg et euh, le laboratoire ICUBE, nos amis et voisins de l'IHU de Strasbourg, et bien sûr euh, l'IRCAT. Vous voyez, c'est un, un consortium assez large, donc je vais présenter ce projet euh, en nom du consortium et montrer les travaux qui ont été réalisés dans, dans le cadre de ce projet. Alors, pour aborder le, cette, cette thématique, euh, je me permets de, de réintroduire un, un concept. Donc, euh, la science des données chirurgicales, c'est quelque chose qui a émergé il y a à peu près cinq ans, issu d'un groupe de réflexion au sein de la communauté de recherche en chirurgie assistée par ordinateur. Ils ont fait ce constat. Il y a encore un peu moins d'un siècle, le chirurgien était seul. On voit ici avec le personnel médical et le patient pour avoir un retour sur l'état du patient. On avait l'anesthésiste assis à côté de la tête du patient pour prendre son pouls, voir s'il respirait encore. Puis le chirurgien euh, va euh, réaliser son opération avec sa connaissance a priori, sa formation, euh, l'étude du cas du patient, et puis au fur et à mesure de l'opération, en fonction de ce qu'il va euh, découvrir, ou s'il y a des complications, il va devoir faire avec son expérience, bon, en dialoguant avec ses pairs. Bon, Aujourd'hui, la situation est différente. Euh, le chirurgien est quand même assisté euh, par la technologie qui a fait son, son entrée. Euh, depuis des dizaines d'années maintenant dans, dans le bloc opératoire. Alors il a des moniteurs à sa disposition, les moniteurs d'anesthésie par exemple. Il y a toujours un anesthésiste, mais il y a ce, ce, ce dispositif en plus. On a aussi euh, des, euh, des, la possibilité de faire de l'imagerie intra-opératoire. On a aussi de l'imagerie temps réel avec la fluoroscopie, l'imagerie image, échographique et puis aussi euh, l'endoscopie, euh, comme on l'a vu en chirurgie mini-invasive, euh, par exemple les caméras des robots, etc. En revanche, Aujourd'hui, c'est toujours le chirurgien qui doit euh, récolter tous ces signaux, faire une analyse dans sa tête et réagir en fonction. C'est une charge très lourde qui lui incombe. Et donc ce que, euh, ce que la science des données chirurgicales ambitionne, c'est que le chirurgien soit complètement assisté par l'intelligence artificielle et la robotique, grâce à l'exploitation et à la capture de flux de données en temps réel. Et donc non plus, comme l'a présenté le professeur Vix, que le chirurgien pilote un robot, mais il soit juste là pour superviser et que le robot, de manière autonome, puisse euh, réaliser une opération complète. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas encore là, mais avec ce projet, nous avons euh, écrit euh, une page. Et donc dans, dans ce cadre, nous proposons de tirer parti de tous ces signaux digitaux. Qui sont aujourd'hui largement sous-exploités, puisqu'ils sont délivrés de manière brute aux chirurgiens, et on se propose de les collecter, de les interpréter et de le faire de remonter aux chirurgiens sous forme d'alerte. Alors La première étape, la première étape euh, on l'a vu, c'est tout d'abord d'être capable de collecter les données du bloc opératoire en temps réel. Donc, parce que dès qu'on va parler de données euh, informatiques, on va parler de format, et euh, malheureusement, souvent dans un premier temps, quand on a de nouveaux types de données, les formats sont propriétaires, propres à chaque fabricant. Et il y a, dans les années 90, euh, une norme a été euh, définie, la norme DICOM, qui est une norme euh, ouverte et qui permet à euh, tous les appareils d'imagerie médicale de dialoguer entre eux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour euh, la vidéo. Et donc, dans le cadre de ce projet, euh, Bicom a développé une extension de cette norme DICOM pour transporter la vidéo médicale. On va le voir, ça permet non seulement de transporter la vidéo médicale, donc plusieurs flux vidéo en même temps, mais également d'autres données euh, qui peuvent être statiques ou dynamiques, donc peut être les informations du patient, des signaux physiologiques, ou aussi comme on le voit sur ce système de navigation en chirurgie percutanée que nous avons développé, permettent de euh, transporter des les, les positions des capteurs électromagnétiques, ici positionnés sur l'aiguille et sur la sonde échographique en temps réel de manière parfaitement synchronisée, Donc, ce qui est très important pour le système de navigation. Donc, une fois qu'on a cette infrastructure qui permet de, de collecter des données euh, en temps réel, on va vouloir analyser. Donc, pour ceci, on va utiliser l'intelligence artificielle, et comme vous le savez sûrement, pour euh, entraîner l'intelligence artificielle, il faut une grande quantité de données et des données qui soient annotées. Alors encore, faut-il savoir comment les annoter Donc c'est le sujet euh, qu'a. Euh, sur lesquels s'est attaquée l'université de Rennes, c'est-à-dire comment qualifier des vidéos opératoires, euh, comment définir les événements, comment euh, caractériser des tissus, des outils, euh, comment euh, décrire les différentes phases d'une chirurgie. Euh, par là même, il faut même euh, que les chirurgiens soient euh, unanimes sur la façon de pratiquer un, un, une opération. Donc, ils ont, pro ils ont proposé ce qu'on appelle des ontologies. Et donc, une fois qu'on a ces ontologies, il faut maintenant des outils. Pour euh, annoter ces vidéos. Donc on a développé dans le cadre de ce projet une plateforme d'annotation vidéo dédiée à la chirurgie, donc qui est capable de supporter ces euh, vocabulaires, ces dictionnaires euh, particuliers, et donc d'annoter des vidéos de blocs opératoires, des euh, vidéos euh, échographiques ou des vidéos de la paroscopie. Donc une fois qu'on a euh, des données correctement annotées, on peut commencer à détecter. Euh, des événements alors dans un premier temps simple mais qui vont quand même permettre d'apporter de la connaissance euh, a posteriori sur la, sur la vidéo. L'Université de Rennes a travaillé sur la détection des saignements, qui sont un événement indésirable, donc comment détecter automatiquement dans une vidéo qu'il y a un saignement, puis renvoyer une alerte euh, grâce à cela. Et puis aussi des événements techniques qui affectent la vue, alors qui peuvent paraître peu intéressants comme ça, la fumée, les occlusions, mais ça va aider par la suite. L'Université de Strasbourg et Cube ont travaillé sur la détection des outils euh, de, de, en, la, en la vision euh, laparoscopique. Donc dans un premier temps, être capable de détecter la présence des outils, puis de savoir précisément leur localisation et enfin de savoir quel type d'outil. Donc ça, ça va permettre de deviner pas mal de choses et d'aller même jusqu'à la même à euh, ensuite décrire, euh, de détecter en temps réel les phases d'une chirurgie. Donc, ils ont travaillé sur la cholecystectomie, donc l'ablation de la vésicule biliaire, et ils sont capables de renvoyer au chirurgien exactement euh, dans quelle étape euh, il est euh, dans la chirurgie. Et on va le voir aussi, ça va être intéressant euh, pour le rapporter à l'extérieur du bloc. Et ça peut aussi servir a posteriori pour indexer les vidéos. Alors on parle jusqu'ici d'analyse de vidéos, on peut aussi faire du traitement de vidéos. Et donc comme cas d'usage, euh, pour faciliter l'exploitation de ces vidéos en recherche, nous avons travaillé sur des algorithmes d'anonymisation vidéo. On le voit par exemple ici, euh, on va... Euh, cacher la vidéo lorsqu'elle est en dehors du, euh, du trocar, donc elle est en dehors du patient, puisqu'on peut voir le visage du personnel médical ou du patient, l'identité. Donc ça, on ne veut pas que ce soit visible pour le chercheur. On peut le faire aussi pour les vidéos échographiques. On va cacher les dates de naissance, le lieu où ça a été fait, et bien sûr le nom du patient. Et puis aussi, pour le personnel médical, quand on va exploiter la vidéo euh, des caméras à plafond, on va être capable de détecter les visages avec des masques et de les flouter. Donc enfin, toutes ces informations, le projet Condor euh, propose de les remonter dans une tour de contrôle chirurgicale. Alors en effet, si on compare avec le monde de l'aviation, on imagine mal aujourd'hui le pilote de ligne, seul dans son cockpit, euh, avec des centaines de patients, une énorme responsabilité, piloté seul, sans assistance du personnel au sol et des contrôleurs aériens. Et donc ce que nous proposons dans le cadre du projet Condor, c'est d'avoir un opérateur extérieur qui ait à disposition une tour de contrôle. Donc qui est à disposition de tous les flux vidéo, qui reçoivent, qui soit capables de déclencher les traitements vidéo, d'avoir le retour des événements, euh, des alertes. Donc comme les chirurgiens, il va les recevoir mais à l'extérieur. Et donc lui, ça va lui permettre d'organiser le flux des patients, de mieux optimiser l'occupation des blocs, la gestion du personnel hospitalier, par exemple d'appeler euh, quelqu'un en renfort s'il y a quelque chose qui, qui se passe mal. Et en plus, euh, cette tour de contrôle, on l'a développée avec des technologies web, donc ce qui permet non seulement de la déployer à côté du bloc opératoire en régie, mais aussi sur des dispositifs mobiles comme des tablettes ou des smartphones, ce qui peut permettre aux chirurgiens de chez lui de recevoir des alertes et d'être appelés en renfort, et de pouvoir assister même euh, les chirurgiens en bloc de chez lui. Enfin, comme dans l'aviation, Condor propose également d'enregistrer les données euh, dans l'équivalent d'une boîte noire. Alors même si ça va ressembler bien plus à un data center dans notre cas qu'à une boîte noire d'avion. Alors On pense évidemment à l'exploitation de, des données a posteriori pour des considérations médico-légales en cas d'accident, mais il faut aussi surtout penser à l'enseignement des chirurgiens, et donc avec l'analyse des phases, etc., ça va permettre d'indexer les vidéos automatiquement, de les mettre à disposition plus facilement, avec moins de travail manuel. Et donc, globalement, ça va contribuer à l'amélioration des techniques de chirurgie. Donc, en conclusion, Condor, c'est une infrastructure qui va permettre de diffuser, d'analyser et d'enrichir les flux du bloc opératoire, en particulier la vidéo, on l'a vu. Donc, il va pouvoir être diffusé à l'intérieur du bloc, mais aussi être utilisé, exploité grâce au standard RTV sur les systèmes de navigation. Elle va pouvoir être transportée dans la tour de contrôle, dans le bureau du chirurgien ou chez lui, et puis même en live euh, directement, dans, euh, les, dans les centres de formation comme l'IRCAT. Pour aller un peu plus loin sur ce que pourrait être Condor dans le futur, euh, nous, notre rêve, ce serait vraiment de transposer ce qu'il y a eu, euh, la révolution euh, du smartphone. Il y a quelques années, avec l'iPhone, euh, euh, iOS et Android, euh, les fabricants ont révolutionné la manière de... Euh, développer et de déployer des applications sur ces plateformes en proposant des interfaces de programmation simples, en ayant des, des, des interfaces standardisées, ce qu'on a essayé de faire dans le projet Condor, et donc ce qui a permis donc, de, de créer ces fameux App Store. Et donc euh, notre rêve, ce serait de continuer ce projet en développant un véritable App Store du bloc opératoire, ce qui permettrait ainsi aux patients de, 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 de bénéficier plus rapidement des dernières innovations du domaine. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Brideau, pour cette intervention. J'ai juste une toute petite question, très brève. Le projet Condor euh, aurait-il vocation à être déployé à très très large échelle, euh, à d'autres centres hospitaliers, avec un système de partage des données, des analyses qui sont pour le moment fournies par le programme Tout à fait. Alors, il a été déployé dans un premier temps à l'IHU, mais il a été créé de manière à pouvoir être déployé euh, assez simplement dans n'importe quel centre. Et puis, euh, bah, il y a des projets comme le, le, le Open Health Data Hub français euh, qui pourrait Condor pourrait être utilisé pour alimenter ce, ce hub en données médicales qui pourraient être ensuite utilisé pour pour la recherche euh, très largement. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Je me permets juste une petite incise puisque les internautes réagissent aussi. Et là, un témoignage, donc quelqu'un très enthousiaste qui vous remercie pour ces témoignages qui sont à la fois très inspirants et rassurants. Et donc il vous félicite pour toutes ces actions qui sont menées dans le domaine de la R&D. Donc voilà, je transmets ces remerciements et je passe la parole, je crois, au docteur Alexandre Ostetler qui lui va nous parler de la démocratisation du diagnostic. Bonjour à tous, Bonjour. vous m'entendez Absolument, parfaitement, c'est à vous. Très bien, c'est à moi, vous allez juste me laisser une petite seconde s'il vous plaît, on a un oui, petit souci de, de, de connexion, mais nous sommes entourés de pros, ce sera <laughs> donc rapide. Je vous en prie. Voilà, c'est parti, merci beaucoup Mélodie. Voilà, vous voyez ma présentation, c'est bon Absolument. Ok, c'est parti. Donc, euh, donc bonjour à tous. Alors déjà, je suis absolument ravi d'avoir été invité ici. Je voudrais remercier la Cité des Sciences et je voudrais remercier également les personnes de l'Institut qui ont fait euh, l'effort de présenter les présentations euh, précédentes. Donc, moi aujourd'hui, on m'a demandé de faire une présentation sur le, le, le projet aujourd'hui principal de l'équipe qui s'appelle DISRUMPERE. L'objectif de ce projet, en fait, c'est d'arriver à démocratiser l'usage de l'imagerie échographique dans le cadre du diagnostic, mais également de la chirurgie percutanée. On en a parlé dans les dernières présentations, le tout assisté par l'intelligence artificielle. Cette, ce, ce projet, il est, il est mené par l'équipe Surgical Data Science flavien a eu l'occasion de vous expliquer ce qu'était la surgical data science et je voudrais insister sur le fait que comme le disait le professeur maresco initialement cette, cette équipe elle est constituée de deux entités vous avez une entité localisée à strasbourg en france mais on n'oublie pas surtout pas euh, l'autre moitié de l'équipe qui, qui est donc localisée à kigali. Au Rwanda comme, euh, comme chacun sait. Donc aujourd'hui on souhaite euh, finalement euh, démocratiser l'usage de l'ultrason parce que l'ultrason a un certain nombre d'avantages par rapport aux modalités standards, je pense au scanner, je pense euh, à l'IRM, c'est une imagerie qui est en temps réel donc on peut donc acquérir des, des données très 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 très, très rapidement. C'est une imagerie qui est non invasive, par exemple pas de rayon X euh, contrairement euh, au scanner, c'est une euh, modalité d'imagerie qui est aujourd'hui portable et qui devient de plus en plus low cost, on trouve des, des sondes de très bonne qualité pour aujourd'hui un coût de quelques, quelques milliers d'euros et, et, et l'occasion m'est donnée de, 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 de saluer nos, nos très bons amis des Copen de, de qui je crois ont une présentation dans le cadre des, des, des journées que vous organisez ces jours-ci. Alors, euh, on utilise l'image échographique pour faire euh, naturellement du diagnostic, du dépistage, euh, également du suivi. Et, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une partie aussi sur la biométrie, donc qui consiste à mesurer la, la, la taille ou le volume de certains organes. C'est extrêmement intéressant, en particulier pour, toute la, pour tout ce qui, a, qui est associé au, au, au fœtus. C'est également une partie du projet, mais malheureusement aujourd'hui, par manque de temps, je n'aurais pas le temps d'évoquer tout cela. Et puis il y a cette partie, donc on l'a dit, euh, thérapeutique, qui consiste à positionner une aiguille finalement au centre d'une lésion afin d'évaluer cette lésion dans le cadre de la biopsie ou alors de la détruire plutôt dans le cadre d'une ablation ou alors par une variation de température assez importante en chaud ou en froid. On va donc pouvoir détruire cette tumeur in situ. Et je trouve que c'est également euh, l'échographie un, un outil extrêmement intéressant pour la robotisation du geste, en particulier euh, de la chirurgie euh, euh, basée sur les, sur les aiguilles pour l'ablation la, par exemple, puisqu'on a un suivi temps réel de la position de la, de, de la cible Grâce, euh, grâce, à ce, grâce au côté temps réel de l'imageur. Il y a un côté négatif, forcément, parce que c'est toujours comme ça dans la vie. Le côté négatif de, de l'image échographique, en fait, c'est que c'est extraordinairement euh, dépendant de l'opérateur et c'est difficile, très difficile, d'arriver à avoir un excellent niveau. Euh, en échographie, surtout dans le, dans le contexte du guidage des, des, des aiguilles. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, on a un manque assez important de cliniciens qui ont les compétences euh, nécessaires. Il y a donc un accès aux soins qui se trouve limité, et cela justifie donc pleinement, à mon sens, euh, l'objectif du projet, qui est de démocratiser l'utilisation des images échographiques dans le cadre diagnostique et dans le cadre également thérapeutique. Et tout ça va passer par une standardisation de l'image et par une automatisation, euh, donc, dans la dans ces objectifs qui sont d'utiliser à terme un robot. Donc première partie du projet, démocratisation du diagnostic, la seconde, démocratisation de la chirurgie percutanée, et enfin démocratisation de la robotisation. Alors comme Flavien a pu vous le montrer tout à l'heure, il est possible d'équiper en fait les, les imageurs échographiques, les sondes échographiques standard que vous avez tous déjà vus, par des capteurs de position, et donc en permanence, cela nous permet d'avoir une, une, de connaître la localisation et l'orientation de cette image. Et l'intérêt euh, euh, dans le cadre de ce projet pour nous, c'est d'arriver à créer des images tridimensionnelles en créant une espèce de concaténation, en concaténant ces images bidimensionnelles. Alors vous faites un espèce de déplacement sur l'organe et ça vous permet de créer une image tridimensionnelle, une image 3D, une espèce de petit scanner localisé à l'aide des, euh, des images bidimensionnelles. Et de cette manière, vous allez pouvoir visualiser le volume que vous avez été en mesure d'acquérir. Cela vous permet de vous assurer que vous avez bel et bien exploré la totalité de l'organe. Parce qu'une des grandes difficultés lorsque vous faites... Du dépistage ou un diagnostic sur un organe, c'est que vous pouvez par mégarde ne pas explorer entièrement un organe. Et donc, si la pathologie se trouve dans la partie non explorée, eh bien vous allez par définition la, la rater. Et pour s'en assurer, on essaye de développer également des, des techniques de visualisation assez élaborées dites de volume rendering. Nous avons d'ailleurs le, le, le docteur Brideau qui est le spécialiste maison de ce type d'approche. Et vous voyez par exemple ici un volume rendering à droite qui a été obtenu directement avec une image scanner sur la gauche. Donc on essaye de faire la même chose pour l'image échographie. Et vous imaginez bien que si aujourd'hui. Le clinicien est en mesure de visualiser l'image que vous avez sur la droite, il pourra avoir l'assurance qu'il a bel et bien effectué une exploration complète de l'organe ou de la zone qu'il souhaitait, euh, qu souhaitait explorer. Tout ça permet de faire des diagnostics. Encore une fois, pour ça, on a besoin d'une grande quantité d'images, l'intérêt du projet Condor précédemment. Des images annotées, c'est-à-dire que sur un certain nombre de clichés, on va tout simplement mettre une espèce de petite box, si vous voulez, un petit rectangle autour de la tumeur. On va donner des milliers et des milliers d'images à l'intelligence artificielle qui va être entraînée. Et à partir de là, si elle voit une nouvelle image qui n'a pas été annotée, elle va être en mesure, le cas échéant d'ailleurs même en temps réel, de détecter ces tumeurs et d'aller entourer euh, donc euh, les lésions par un rectangle de couleur. C'est le cas que vous voyez ici. Alors est, cette vidéo, elle est, elle, elle est à, 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 à un certain... À, à, dans une certaine mesure un petit peu amusante, parce que la lésion est particulièrement visible et particulièrement énorme, mais c'est pour que tout le monde arrive à comprendre le concept. Vous verrez un peu plus tard dans la présentation des lésions qu'il est beaucoup plus difficile d'arriver à visualiser. Passons à la deuxième partie donc de ce projet, la démocratisation de la chirurgie percutanée. Donc on a vu qu'on pouvait associer un capteur de position à une sonde échographique, mais on peut également le faire à une aiguille, ce qui nous permet d'avoir une représentation qui devient tridimensionnelle, c'est-à-dire que sur l'écran de votre ordinateur, vous n'avez plus une image standard 2D, comme vous pouvez le voir au-dessus à droite ici, une image que vous positionnez face à vous, mais vous avez l'image et en plus l'aiguille dans un monde 3D dont vous pouvez connaître en permanence leur position relative et ça nous permet d'associer les informations qui sont pertinentes pour le praticien telles que la trajectoire de l'aiguille que vous voyez ici apparaître en pointillé au bout de l'aiguille, le point d'intersection entre cette trajectoire et le plan échographique et puis la distance qu'il vous reste à parcourir avant d'atteindre votre cible. Concrètement, vous prenez votre aiguille, donc, qui est, donc on connaît la position en temps réel en permanence. Vous posez le bout de votre aiguille sur le patient. Grâce à la cible en bas à droite sur votre écran, vous allez pouvoir trouver la trajectoire, non pas la trajectoire, vous la trajectoire, oui, pardon, la trajectoire optimale pour atteindre votre, votre cible. Ensuite, vous avez une visualisation comme si votre œil était localisé en bout de l'aiguille. Et puis, vous allez pouvoir doucement insérer votre aiguille et avoir une évaluation en temps réel de la distance qui vous reste à parcourir ici en rose. 6 mm, 7 mm, 5 mm, voilà, 4 mm. Et donc vous avez bel et bien positionné le bout de votre aiguille en plein centre de la tumeur, comme on peut ici le, 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 le vérifier grâce, grâce à ce type de visualisation. Et donc, étant donné que votre bout d'aiguille est bien positionné, vous allez par exemple, dans le cadre euh, de la destruction d'une tumeur, pouvoir créer une variation de température en chaud ou en froid, et vous saurez que votre aiguille est bien localisée. Pour faciliter encore cet objet, cette, euh, cette, ce type d'application, euh, on développe aussi des approches qui permettent de fusionner une image préopératoire de type scanner avec l'image acquise en temps réel par l'imageur échographique. Concrètement, c'est-à-dire que l'une à côté de l'autre, en permanence, vous allez avoir votre image acquise en temps réel et puis exactement la même image extraite d'une image préopératoire. Alors ça a un intérêt parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont visibles dans l'échographie et pas dans le scan, par exemple, et d'autres qui sont visibles dans le scan et pas dans l'échographie. On arrive dans la dernière partie de ce projet qui consiste à robotiser ce geste. Pour cela, nous avons eu l'opportunité de travailler avec une société strasbourgeoise qui s'appelle Axilom Robotics et cette société donc développe un robot médical. Notre objectif a donc été d'associer au bout du bras du robot une sonde échographique et cette sonde échographique, c'est elle qui de manière autonome va être déplacée par le robot sur la peau du patient de manière à acquérir avec précision des images échographiques 2D et d'arriver à détecter des pathologies. Donc naturellement, c'est assez intuitif, vous comprenez que le robot sait exactement où est-ce qu'il est localisé. Donc la création d'images 3D à partir d'images 2D dont on connaît la position, c'est quelque chose qui est finalement assez aisé à faire. Vous avez donc votre volume de data. Maintenant, si vous voulez utiliser un deuxième bras pour positionner une aiguille, une des principales difficultés ici va, reste de calculer une trajectoire qui soit idéale. Effectivement, avec l'image que vous venez de voir, qu'on vient de, de créer, on peut arriver à détecter la position d'une tumeur, par exemple, et on saura donc quelle est la cible qu'on souhaite atteindre. En revanche, un vrai problème de trouver une bonne trajectoire. Intuitivement, on ne va pas prendre l'aiguille pour la passer à travers la tête du patient pour atteindre le foie. Ça, c'est assez intuitif. Mais euh, en revanche, même à côté du foie, vous avez les poumons, toutes sortes de vascularisations, etc., qu'il convient, qu qu convient de préserver, en tout cas de ne pas traverser. Donc c'est très important d'arriver à créer un modèle tridimensionnel de l'organe, de la cible et donc des organes qui, qui l'entourent. Et à partir de là, on va pouvoir calculer une trajectoire automatiquement et demander au robot qui tient un espèce de guide, si vous voulez, de positionner correctement ce guide de manière à ce que le chirurgien n'ait plus qu'à insérer. Euh, son aiguille car il sait que la trajectoire est la trajectoire optimale et la trajectoire qui permet de passer le plus loin possible des différentes structures fragiles qui entourent euh, donc euh, notre euh, notre cible et donc finalement l'intérêt de l'utilisation de l'échographique moi qui me semble être flagrant sur cette vidéo c'est que vous avez un suivi temps réel de la position de votre de votre tumeur de la position de votre lésion ici vous le voyez c'est le rectangle rouge qui entoure une lésion alors comme vous pouvez le voir c'est un petit peu moins évident que ce qui est que dans la vidéo précédente et puis vous avez également le suivi de votre aiguille que vous voyez ici entourée en bleu. Vous pouvez donc vous assurer que vous avez bien positionné l'aiguille. Vous pouvez sortir un cliché qui me dise oui, effectivement, quand j'ai fait ma biopsie ou pour me positionner dans l'objectif de détruire la tumeur, j'avais bien une position relative qui soit correcte. Un exemple tout bête avec la biopsie, c'est que si vous, si vous plantez votre aiguille un tout petit peu à côté de la lésion, de la, de la, de la lésion vous allez analyser du tissu qui sera sain de toute manière et vous allez faire un diagnostic qui ne sera pas euh, satisfaisant. Voilà, donc pour résumer un petit peu ce projet, ce projet franco-rwandais, franco en quelques chiffres, c'est un projet qui dure à peu près 3 ans, un petit peu plus, un budget qui avoisine les 5 millions d'euros. On a 25 chercheurs, sur... c'est quelque chose de très équilibré finalement entre l'IRCAD Africa et l'IRCAD France, donc 25 chercheurs. 12 d'un côté, 13 de l'autre. On ne pouvait pas faire 12 et demi naturellement. On a 5 5 étudiants en thèse également. L'objectif est toujours de renforcer hein, la qualité et les compétences des membres de l'équipe. On travaille avec un partenariat chaque semaine avec des gens qui viennent ici à l'IRCAD pour annoter les images, pour discuter avec nous, pour qu'on puisse bénéficier de leurs compétences, donc des chirurgiens, des radiologues, des urologues. Trois IRCAD impliqués, France, l'Afrique, mais également l'Amérique latine, pour obtenir plus de données des partenaires industriels, car on est définitivement tourné vers le transfert des hôpitaux, naturellement. Je pense en particulier aux hôpitaux de Strasbourg, également à Mimes, et puis quatre universités à travers le monde, dont les fameuses universités localisées à Kigali, en plus du CNAM à Paris et de AQUIOP, très important à Strasbourg. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre pour votre attention, et naturellement, je serai ravi de répondre à vos questions, si tant est que vous en ayez. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, euh, Monsieur Stotler, pour ce, cet exposé qui oui. était particulièrement précis. Alors, juste une toute petite question, j'ai cru comprendre que le projet, euh, l'expérimentation, dure 40 mois, c'est ça Effectivement, c'est la durée du projet. D'accord. Euh, les résultats attendus, compilés, condensés, de cette expérience seront rendus quand alors en fait, euh, ça, ça dépend naturellement complètement en fait, de, la, de, 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 de quelle partie est-ce qu'on est qu parle. Bon, je pense que d'ici la fin de l'année, on sera en mesure de créer une image tridimensionnelle avec un robot. Le robot donc, de la société Axilum a déjà été complètement intégré euh, euh, donc à notre framework de développement. Un petit coucou euh, à notre ami Marc. On a pu intégrer aussi également les sons de nos différents partenaires. Et euh, on a des résultats qui sont déjà excellents pour la, pour la, pour la biométrie. C'était pour nous le plus facile pour commencer ce projet, en cela que euh, des mesures de, de taille, de la biométrie chez un bébé, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait de manière très courante. C'est beaucoup plus facile, finalement, de trouver des mesures, si vous voulez, du diamètre de la tête d'un bébé que des, que, des, euh, que des tumeurs que, bien sûr, on ne souhaite, on souhaite, on souhaite pas que tout le monde en ait, alors qu'un bébé, on peut toujours le, le mesurer. Donc là, on a déjà des résultats qui sont excellents. Et je suis allé donc, au CMCO pas plus tard que la semaine dernière pour pouvoir cette fois-ci mettre en place une démo permanente pour avoir, pour avoir déjà un feedback des résultats, de, des résultats liés à l'intelligence artificielle. Donc comme vous le voyez, on essaye de faire un transfert déjà en termes de tests le plus rapide possible et puis on travaille en permanence en partenariat et je les remercie chaleureusement avec les partenaires industriels, ce qui permet d'intégrer au fur et à mesure le développement qui sont faits sous la direction de... De Flavien Brideau et de, et de Toby Collins, notre directeur de recherche que je n'oublie pas non plus, euh, donc dans ces, euh, dans ces devices. Très bien, bien écouté, monsieur Stuttler. Merci infiniment à vous ainsi qu'à vos camarades de l'IRCAD qui ont pris le temps de nous présenter toutes ces choses qui sont absolument passionnantes. Euh, il est temps pour moi de vous laisser. Je remercie évidemment tous les internautes qui nous ont suivis jusqu'à maintenant pour cette première matinée consacrée aux journées Innovation-Santé ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 14h cet après-midi pour prolonger cette plongée et cette expérience de l'innovation et du progrès médical en compagnie de nombreux intervenants. Donc n'oubliez pas de vous reconnecter. A tout à l'heure.